Bienvenue à tout le monde, bienvenue au lycée, au collège lycée franco-israélien Marcel et Lucette Drahi. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je suis Samuel Pinto, je suis président de Kol Israel Haverim, l'Alliance israélite universelle en Israël. Je salue avec beaucoup de chaleur Monsieur le ministre Mounir Majoubi, donc ministre du numérique. Voilà. Je salue également les anciens ministres comme Madame Nicole Gage. Merci d'être parmi nous. Merci Nicole. Député, merci Elie Lalouf d'être avec nous. Haver Knesset est président de la commission des affaires sociales et autres de la Knesset. Je salue également Mark Eisenberg, président de l'Alliance, qui doit être quelque part. Il rentre là, donc très bien. Président de l'Alliance israélite universelle, merci. Et je crois que nous avons, mais je ne les ai pas rencontrés, le maire d'une ville que j'aime beaucoup, de Nevers, est-il là? Je ne suis pas sûr. Il arrive. Alors c'est une ville que j'aime beaucoup parce que j'allais en vacances quand on était petit, donc voilà, je salue également, mais qui ne devrait pas tarder. Et toutes les personnalités ici présentes, les présidents et présidentes, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Donc bienvenue, et surtout bienvenue donc au ministre. Alors, on a beaucoup de choses en commun. La première, c'est qu'enfin, lui, non, mais moi, je suis marocain. Lui, il n'est pas né au Maroc, moi, oui. Mais on a un lien fort qui est le Maroc. Et je crois qu'on est quelques-uns ici, mais pas plus de 50% à avoir ce lien dans la salle, avec le Maroc, Elie et d'autres. Donc, on est très heureux de vous avoir ici. Surtout que, malgré qu'il ait l'âge de mon fils, puisque à quelques jours près... Il fait une carrière météorique, évidemment. Il se permet de battre pour le siège de député le président d'un parti, mais enfin, c'est un petit parti qui était du passé, donc qui compte moins maintenant, Parti Socialiste quand même, et qui a gagné donc une députation pas facile dans l'Est de Paris, donc bravo, et qui a fait une carrière formidable, tellement formidable qu'elle est en même temps dans l'entrepreneuriat, dans le business, donc. Créer des belles boîtes qui gagnent de l'argent, qui font des belles choses. Parce que c'est important de gagner de l'argent. C'est quand même la façon de montrer qu'on réussit et qui aide les gens. Et ça aussi, on va avoir en commun, c'est que je crois que vous avez un passé et une action humanitaire très forte pour aider les gens et qu'on partage, peut-être parce qu'on vient du Maroc et que c'est important. Et qu'on partage. Moi, c'est ce que je fais. Moi aussi, je suis quelqu'un qui vient du business et qui maintenant, depuis 10 ans à peu près, fait beaucoup plus de philanthropie que de business. Et c'est ça qui est important. Moi, j'ai choisi de le faire en Israël, mais un peu en France aussi quand même, où j'ai grandi. Donc, une carrière dans l'entreprise, avec beaucoup de succès, mais également. Dans l'administration, en aidant 3 présidents de la République, ou presque, ou prétendant 2, plus une qui n'a pas réussi, et en ayant une carrière dans ce qui est de plus beau, évidemment, l'avenir, le numérique. Et le numérique, pour nous, est très important, évidemment, on est en Israël, donc pas seulement la Startup Nation, mais aussi un pays où tout ce qui est startup, bien sûr, petites entreprises, et surtout digital, numérique, est très important. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura de plus en plus de choses à faire entre nos deux pays, et notamment que ce soit sur l'investissement dans le numérique. Je rêve, moi je suis dans le capital investissement, le private equity, je rêve que les Français puissent investir plus ici en Israël, dans ces sociétés, et inversement, qu'on convainque les autres de le faire. À mon avis, il suffit simplement de dire qu'Israël, c'est l'Europe et que les Français peuvent investir ici comme quand ils investissent en Europe. Donc à vous de jouer, et qu'on fasse beaucoup plus de, qu'il y ait beaucoup plus de liens entre nous, entre les pays, mais aussi, et c'est ce que nous faisons nous, parce que notre biais c'est l'éducation, avec les enfants. Et avec les enfants, ici, on fait beaucoup de choses. En ce qui concerne le numérique en particulier, nous avons un programme formidable, aussi formidable à tel point que vous devriez le copier, qui est un programme que l'on fait avec des filles dans des quartiers et des villes défavorisées, moins, où les familles sont moins privilégiées, sud et nord d'Israël, mais aussi le centre dans des villes un peu plus difficiles.
où on aide les filles, mais aussi leurs parents et les professeurs, à étudier les sciences. Donc, aller vers ce créneau-là. Et ça, en joint venture, en collaboration avec une trentaine de sociétés technologiques israéliennes, dont les cadres femmes plutôt, viennent dans les écoles et montrent à ces filles que c'est possible d'avoir une carrière dans le domaine scientifique, de créer ensemble un web, ils ont créé des sites web formidables ensemble, et elles amènent les filles dans les sociétés pour qu'elles visitent les laboratoires, les sociétés, les Intel, Microsoft et autres sociétés israéliennes dans ces domaines, pour que les filles voient que c'est passionnant, que ça leur donne envie de faire de la physique, de la chimie, des sciences et des maths, pour qu'elles aillent vers ces créneaux. Et ça marche très très bien, à partir de la cinquième, jusqu'au bac, pour qu'elles aillent vers les matières scientifiques avec le meilleur coefficient, genre disons S, en France, et donc qu'elles aillent après vers l'université pour étudier les sciences. Et donc tout ça, bien sûr, avec un support digital très important, ordinateur numérique très fort. Donc c'est un programme qu'on développe dans tout le pays, en collaboration, et maintenant nous avons une joint venture avec le ministère de l'Éducation nationale israélien, qui nous donne de l'argent et qui nous a reconnus, et on veut faire ça nationalement. Aujourd'hui, nous sommes dans une cinquantaine d'écoles, pardon, et dans 5-6 villes différentes. Mais aussi, tous nos cours que nous donnons et l'aide que nous donnons aux écoles, en particulier ici, Mikvé Israël, où nous avons deux écoles franco-israéliennes, 1800 élèves pardon, au total dans Mikvé Israël, et donc deux lycées franco-israéliens. En général, des cours de leadership sont beaucoup basés, évidemment, sur l'apprentissage du numérique pour que, derrière, ils aient une confiance en eux plus forte et qu'ils soient leaders après, dans leurs études et après. On fait même ça avec des étudiants. Donc, beaucoup de liens avec ce secteur-là et avec l'égalité des chances, avec tout ce que, je crois, ce gouvernement et ce nouveau président, que personnellement, je ne sais pas s'il faut le dire, mais j'aime beaucoup, est en train de faire, en transformant la France comme il faut le faire et il aurait fallu le faire depuis longtemps. Et donc, nous sommes complètement avec vous dans cet effort. Si en plus, on peut le faire entre Israël et la France, avec plaisir, nous, on peut faire beaucoup, on veut faire beaucoup, et on a les moyens aussi de faire un peu, je crois, puisqu'on donne de notre temps et de notre argent les uns et les autres, avec Marc, avec d'autres, Jimmy, mon frère, etc. Voilà, si on peut faire plus, on est prêt. Donc merci beaucoup, beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Lana de nous avoir permis d'organiser ce soir cet événement. Mais chaque fois qu'il touche à quelqu'un, lui, conseille quelqu'un. Donc voilà, ici nous, personne ne veut devenir, désolé. Hein. On a d'autres choses à faire quand même. Donc, bienvenue à tout le monde d'être ici. Je vais passer la parole à Marc Eisenberg, le président de l'Alliance israélite universelle. Ah, pardon. Le film avant, oui, je pensais que c'était après. Donc, le film avant, je suis désordonné, mais ça, c'est pas grave. Petit film, effectivement, avant, puis je passerai la parole à Marc et nous aurons l'honneur et le privilège de vous entendre ensuite. Désolé, mais on n'est pas là pour... que pour être assis, donc vous allez devoir travailler un peu. Merci beaucoup, encore une fois. Comme vous l'avez compris, toute notre soirée est placée sous le signe de l'égalité des chances. Et en écoutant Sam, en voyant notre député Eliel Alouf, monsieur le ministre, je me suis dit, moi aussi j'ai besoin d'égalité des chances parce que, je vous fais un aveu, je ne suis pas marocain. Donc ici, je suis très défavorisé. Monsieur le ministre, ça se soigne difficilement. Égalité des chances, je pense notamment à l'égalité homme-femme, à l'intégration des handicapés, à l'égalité face à la pauvreté et de manière générale à l'égalité dans le système scolaire puisque Alliance israélite universelle rime avec éducation. Monsieur le ministre, nous sommes ici en Israël, j'ai une kippa sur la tête, alors... Que disent les textes les plus sacrés du judaïsme sur ces questions ? L'homme et la femme. Les sources principales de la culture juive, notamment le Talmud, datent de plus de 2000 ans.
À cette époque, la société était fondée sur un modèle patriarcal. La place de la femme, c'était au foyer. Cela explique pourquoi on trouve de nombreux textes qu'on considérerait aujourd'hui comme misogynes. Mais pour pas faire d'anachronisme, et pour l'époque, ces textes constituaient souvent des avancées importantes pour le rôle et pour le statut de la femme. Par exemple, de très nombreux héros, héroïnes de la Bible sont des femmes, chose qu'on ne trouve pas beaucoup ni dans le christianisme ni dans l'islam. On peut penser à Myriam, on peut penser à Ruth, on peut penser à Déborah, qui était à la fois juge, prophétesse et chef de guerre. On peut penser à Esther, qui va sauver le peuple juif. Les filles de Tselophrabe, elles ont obtenu de Moïse le droit à l'héritage pour les femmes. C'était une vraie révolution à l'époque. Alors bien sûr, certains penseront qu'il y a encore beaucoup à améliorer aujourd'hui, notamment pour le statut des femmes mariées et les divorces, c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce que fait l'Alliance ? Qu'est-ce que fait l'Alliance ? L'Alliance a été le premier réseau scolaire international à se mobiliser pour l'éducation des filles. L'Alliance n'a pas hésité, au Maroc dès 1862, à refuser d'inscrire des garçons, à recevoir des garçons dans les écoles lorsque leurs sœurs n'étaient pas inscrites à l'école. On obligeait toute la famille à venir. C'était une révolution et l'Alliance, depuis, n'a jamais changé de cap. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le petit film, on développe donc des programmes pour encourager les filles à opter pour les matières scientifiques et vous voyez que ça marche, même si ça n'était pas évident. Et nous envisageons, n'est-ce pas Ilana, de reprendre ce programme en France. Sur le handicap, comment on accueille et on intègre les handicapés dans notre société. Un texte très important de la Bible, dans Vayikra, dans Lévitique, « N'insulte pas un sourd et ne mets pas d'obstacle sur le chemin de l'aveugle. » Lifnei Iver, Lotinten Mirchol. Évidemment, le principe bien connu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais ton prochain qui est différent de toi. L'enfant handicapé pour le judaïsme, c'est toujours une personne à part entière. Chaque être humain a été créé avec une volonté divine, une finalité spécifique et porteur d'un enseignement. Que la déficience soit physique ou mentale, la dignité humaine reste la valeur suprême. C'est notamment expliqué dans un texte, à mon sens, trop méconnu de Borachot dans le Talmud, où on dit « Gadol kvod abriot chez dochet lotase batora ». Combien est grand le respect qui est dû aux êtres humains, que ça peut même éloigner des interdits de la Torah. Alors évidemment, il faut savoir interpréter ce texte, mais ça signifie que la dignité humaine, c'est quelque chose de très important et parfois plus important que certains commandements rabbiniques. On notera aussi d'ailleurs que la personnalité la plus célèbre de la Bible, Moïse, était lui-même handicapé, puisqu'il avait de graves difficultés d'élocution. Et ce qu'on favorise dans le judaïsme, c'est l'aide aux handicapés. Et pour Moïse, ça se vérifie. Moïse aurait pu être soigné par Dieu. Dieu ne l'a pas soigné. Il a mis Aaron, son frère, à côté pour l'aider à suppléer à son handicap. Et l'Alliance. Mais l'Alliance, par exemple, elle est très fière d'avoir à Jérusalem une remarquable école de sourds et de malentendants. Grâce à un personnel éducatif de haut niveau, on permet à ces enfants de mener leurs études jusqu'au bac et généralement de réussir à s'intégrer dans la société. Les résultats sont tellement spectaculaires, j'espère qu'à un autre voyage, parce que bien sûr vous allez vouloir revenir, à un autre voyage, on aura l'occasion de vous faire visiter cette école, c'est extraordinaire. En fait, en Israël, c'est un fait culturel. On aime, on soutient sa population handicapée. Israël est un des pays les plus avancés dans l'insertion de ses handicapés, qu'ils soient handicapés physiques en raison de la guerre ou malheureusement d'attentats, ou qu'ils soient handicapés mentaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, d'une unité extraordinaire dans l'armée israélienne qui est une unité d'autistes, et qui fonctionne, ce sont des soldats magnifiques, et c'est tellement remarquable que les Américains ont décidé de dupliquer ça chez eux, dans les renseignements. L'égalité face à la pauvreté. C'est un des principes les plus importants du Talmud. Il y a énormément de commandements pour dire qu'il faut lutter contre la pauvreté. Par exemple, on doit donner au minimum 10% de ses revenus pour les pauvres. On doit laisser glaner les pauvres dans son champ. On doit, si on a un travailleur qui est dans le besoin, on doit le payer tous les jours. Les commandements ne manquent pas. Je voudrais juste en rappeler un qui est formidable, c'est l'institution du jubilé, le Yovel.
tous les 50 ans, on annule tout et on redistribue les terres. On redistribue les terres, c'est-à-dire on redémarre à zéro au niveau patrimoine. C'est une mesure totalement révolutionnaire. Même Mélenchon n'a pas osé proposer ça. L'Alliance, qu'est-ce qu'elle fait pour la pauvreté ? L'Alliance dans le système éducatif. L'Alliance reçoit sans réserve dans toutes ses écoles des enfants de toutes conditions sociales. En France, où l'école juive est payante, nous avons une politique très généreuse de bourses qui nous permet d'accueillir toutes les familles sans aucune discrimination. Et en Israël, comme Sam l'a dit, Kiar s'est investi dans le réseau d'Arka, qui est représenté dans la périphérie des grandes villes et dans les quartiers difficiles. L'Alliance a toujours eu le souci de ne jamais laisser un enfant défavorisé sur le chemin. Même les mauvais élèves, monsieur le ministre. Contrairement à certains lycées parisiens, on ne les élimine pas, on ne les renvoie pas entre la seconde et la terminale pour gonfler artificiellement les résultats au bac. Enfin, j'ai cru comprendre, vous étiez d'origine marocaine, vous connaissez les liens de l'Alliance et du Maroc. Ben aujourd'hui encore, comme depuis des dizaines d'années, dans les écoles de l'Alliance, les enfants musulmans et les enfants juifs étudient ensemble. Ils étudient même l'arabe, ils étudient l'hébreu dans la meilleure convivialité et dans le plus grand respect des uns des autres, dans un monde fraternel qui est le monde dont nous rêvons demain. Je vous remercie.